J'ai deux questions. La première, c'est si c'était à refaire, est-ce que vous adapteriez la même posture d'être forcément contre le marché? Parce qu'effectivement, si l'idée est vraiment bonne et que le marché est délicat, est-ce que c'est à refaire d'aller contre tout? Et deuxième question, c'est que au moment de la levée de fonds, le fait d'être en situation adverse a forcément dû poser des problèmes aux investisseurs. Comment vous avez valorisé ou comment vous avez expliqué le risque et est-ce que vous n'avez pas perdu beaucoup en termes de capital? Sûrement, on a perdu en capital surtout parce que ça a été en pleine crise financière, donc ça n'aidait pas vraiment. Maintenant, fondamentalement, des investisseurs quand même qui réfléchissent, quand on leur présente le concept de business model, le fait que de toute façon c'est une industrie qui va se rémunérer. Il y a un moment, il y a des fondamentaux. Hein. C'est-à-dire que ce que j'ai fait un moment, je ne vais pas insister beaucoup, c'est que la loi du marché, elle est quand même implacable. Il y a un moment où on a beau résister, ça change. Donc la vraie question, c'est le timing. Là, il y a certaines des observations qu'on nous a fait à l'époque, c'est de dire oui, mais ça peut prendre 10 ans. Et si ça se trouve, votre truc, ça ne démarrera pas avant 10 ans. Ça aurait pu théoriquement être vrai, sauf que c'était pas vrai pour des raisons économiques, c'est que le croisement du coût de la copie et du coût des équipements fait que c'est tout de suite rentable de mettre en place ce modèle économique. Non, il n'y a pas de secret. Quand un truc est rentable tout de suite, il n'y a pas d'avenir qui se passe.